Salut tout le monde, c'est Dahlia, on se retrouve aujourd'hui dans le 25e épisode. La dernière fois, on avait battu Marion et aussi Aldo. Et du coup, cette fois, on va faire le maître. Et comme d'habitude, on va lead avec notre abeille. Voilà. Oh, c'est beau, il y a des mini dracos dorés. Putain, ça le bourge. Je les veux. Je peux en prendre un. Ah, l'effet du repousse se dissipe. Très très bien. Je peux en prendre un pour le vendre, s'il vous plaît. Ah, et oui. Sans vous spoil, c'était Peter, bien évidemment, le maître. Et oui. Je t'attendais. Dahlia, je savais que tu allais finir par arriver jusqu'ici. Bon, assez parlé. Nous allons juste nous battre pour savoir qui est le plus fort. Je suis l'adversaire le plus puissant, le maître de la ligue. L'expert dracologue. En garde. Hype! Je suis le maître de la ligue! L'hypothigo! Je suis crédible? Non! Allez, meurs! Monde boréal, aïe! Bon, ça va pas me tuer, faut pas déconner! Les petits ennemis KO! Léviator, oh mon dieu. Il a Léviator normalement. Et en plus il pose le crachin, mais oui j'avais Léviator moi aussi. Souvenez-vous, on avait Léviator rouge qui est mort contre un éboulement d'un Régirock. Du coup on voyait Magneto tout de suite. Anohydro. La pluie continue de tomber. Tonnerre! Danse Draco! En plus, il a Danse Draco! Oh, sympa! Il peut totalement nous sweep en fait. Faut vraiment que je le tue là. Mais ça devrait le faire. Magneto, Stabé. Bon, il a quand même 4 niveaux de plus. Ça a tué. Oh, coup critique! Je ne sais pas si c'est dévisif. Et bam, le niveau 46 pour Magneto. Il va prendre cage éclair. Ah, pourquoi pas. Attendez. À la place de vol magnétique en vrai. Ouais. Cage éclair peut être utile. Contre des Pokémon vraiment trop rapides ou ceux qui se boostent en vitesse. Comme dans Draco. Et en plus, cage éclair affecte les attaques, les Pokémon. Oh, oh putain de merde. Ah ouais, mais non, il a séisme. Il a séisme, le Pokémon. Non, 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 non. Abyss, go, tout de suite. Quoi qu'il est type vol, il est type glace aussi. Ah, c'est risqué. Coup de boue. Ah ouais, gros séisme. Gros séisme. Bon, allez, surf. Ça tue pas. Balle glace. Ok, c'est bon. On tank. On tank parce que c'est une attaque comme roulade qui augmente au fil du tour. Donc ça passe. Surf. En plus, il est bloqué. Il peut pas se soigner. Il a des bons Pokémon, hein, mine de rien. Il avait Liputi. Ok. Mais là, ces deux-là sont bons. Malheureusement, je suis trop fort. C'est ça. Blizzard War. J'ai pas trop envie de perdre Abyss. Magneto. Quoique. Coup de boue. Coupe. Ah, coupe. Coupe est mieux.
Vampigraine, ouais ben. On va le buter de toute façon. Blaircroix. Clac. Ça tue pas. Balgraine. Ouais. 3 PV. 3 PV. 3 PV. 3 PV. Attention, je vais tout récupérer avec les restes. Ah oui, c'est vrai qu'il a Vampigraine. Il a Vampigraine. Ah, du coup, il va peut-être pas se soigner. Ah oui, il ne se soigne pas. Il est plus dans la zone du soin. Et Abyss passe 46. Ok. La vie continue de tomber. Je crois qu'il lui reste 2 Pokémon. Non. Plus que ça. 2. 3. 2. Topicker. Ok. On reste. On fait Pince-Masse. À lui, la séisme, par contre. Bon, ça m'étonnerait qu'il me bute en un coup. Oui. Voilà. Pince-masse. Par contre, ça le tue. En plus, il y a la pluie. Donc, voilà. Aucune chance qu'il résiste. Le dernier Pokémon. Corillon. Niveau 50. Bah, je vais porter mes balls. Et je me soigne pas. Et je fais Plaquois. Et le one shot. Et le one shot critique, mon gars. Allez, salut maître Peter. Des bisous. Tu t'es bien battu. Voilà, c'est fini. Eh oui, je me sens bizarre. Je ne suis pas fâché, mais plutôt heureux. Heureux d'être le témoin de la naissance d'un nouveau maître. 20 000 pognons. Oh oui. Eh ben, tu as bien progressé, Dahlia. Toi et ton équipe êtes en parfaite harmonie. Je suis sûr que vous continuerez à progresser encore. Et l'histoire n'est pas finie. Hein, parce que maintenant, il faut faire les 8 badges de Kanto. La nouvelle ligue aussi. Et Raid. Donc on en a encore des épisodes à faire sur Soul Silver. Oh non, c'est fini. C'est votre faute, professeur. Ah, Dahlia, ça faisait bien longtemps. Tu as changé ma parole. Ta victoire sur la ligue est... ma foi, impressionnante, ton amour et ton dévouement t'ont mené jusque-là. Ton équipe Pokémon a aussi fait de beaux boulots. Tu es reconnu comme étant un être et un dresseur d'exception. Encore bravo, Dahlia. Faisons une interview du nouveau maître. Oui. Eh bien, quelle animation tout d'un coup. Dahlia, suis-moi. Eh, et mon interview? Je ne suis pas venu ici depuis si longtemps. Ce lieu consacre les maîtres de la ligue Pokémon pour l'éternité. Leurs courageux Pokémon sont aussi accueillis. Aujourd'hui, un nouveau maître a fait son apparition. Un maître qui aime ses Pokémon plus que tout. Un maître, un dresseur, persévérant et déterminé. Tu possèdes tous les atouts pour être le plus grand des maîtres. Dahlia, toi et tes amis, êtes désormais maître. Yes. On a perdu Bravo LOL quand même. Hein. Parce que Bravo LOL a mis une attaque. Je l'aimais pas assez, c'est pour ça. Daredevil. Daredevil qui a fait pas mal. Zidane, qu'on n'a pas trop vu à la ligue. C'est vrai. On n'a pas trop vu. Un petit peu, mais pas beaucoup. Abyss, qu'on a vu un petit peu. Il a failli mourir là, hein, mais... ça va. Ah bah, coupe, hein, qui a terminé le combat de la ligue. Donc
contre Peter. Magneto qui a survécu à bout de feu de Negapi à plus 3 en attaque. Impressionnant. Grosse défense Magneto. Et bravo LOL qui est mort au combat contre un Torterra. Méga fouet coup critique. Bim. 14h45 de temps de jeu quand même. Ça en fait du temps de jeu. Et voilà. Sauvegarde en cours. Mais Peter. Ah là, t'avais essayé Zidane en disto. Pas simple hein, ce Pokémon. Le mien il a Polyrush. Hein. Je siffle mal, je chante mal, mais bon, on s'en fout. Bertrand Lecoq, merci à toi, Bertrand Lecoq. Salut Mathieu. Et ouais, du coup, cet épisode numéro 25 va se terminer sur ces petits crédits. Et on va se retrouver donc dans le prochain épisode à aller à Kanto. Et donc une nouvelle aventure va débuter. Nous allons encore 8 badges à gagner. Encore une ligue à défoncer. Et le dresseur ultime, Red Osama, qu'il va falloir battre, bien sûr. Parce que si on le bat pas, c'est qu'on a perdu. Et si on a perdu, eh ben c'est triste. Voilà. Du coup, des bisous tout le monde. Merci d'avoir suivi l'épisode. Enfin, merci d'avoir suivi l'aventure sur Johto. La prochaine fois, ce sera sur Kanto. Des bisous tout le monde. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Bye bye.